Good morning, Aleid, et tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak ben Fanny et Dvorah ben Esther, ainsi que le Refouat Amram ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, vous pouvez contacter la Sacrée Éternelle. Nous étudions la Sacrée Éternelle de Perekret, Mishnah Bet, Eizehu Ptsua Daka, Kol Shenifzehu Abeitim Shelo, Vafilu Achat Mehen, Ucherut Shofcha, Kol Shenichrat Agid, Vim Nishtayer Meha Atara, Afilu Kechut Asara Kasher, On a évoqué dans la Mishnah précédente le statut du Ptsuadaka, une personne qui était castrée. Et on avait expliqué que s'il est castré, il n'a plus le droit de se marier avec une bat Israël, et même mieux que ça, ou pire que ça. S'il était marié avec une femme et que maintenant il est devenu castré, il ne pourra plus continuer à avoir des rapports avec sa femme. Et ça peut, des fois, il peut y avoir des vrais problèmes pour certaines opérations. Il faut se concerter avec un rave si on veut toucher à une partie génitale et opérer là-bas. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, parce qu'on peut faire aussi des bêtises et interdire sa femme. Il faut savoir, les opérations de la prostate, ça touche des endroits, hein, si ça peut, d'accord, il y a des halakhot, quand oui, quand non, tout est en général, tout est résolvable, mais il faut penser, il faut savoir qu'il y a des problèmes et qu'il faut les résoudre. Et on revient sur notre sujet. Si toutefois on a fait la mauvaise opération, on est devenu castré. Après, il va y avoir toutes sortes de questions. Si jamais quelqu'un a joué au football, il a reçu le ballon dedans, et à cause de ça, il est devenu castré. Est-ce qu'il est devenu Ptsua Daka ou pas? Ça, ça fait des questions de poskim. Si ça avait été fait sans... Il y a une halakha que si c'est Ptsua Daka Bidei Shamaim, il n'est pas tour. Mais là, ça n'a pas été Bidei Shamaim, c'était Bidadam, c'était Bidadam sans intention. Est-ce que oui, est-ce que non? Il y a eu des fois aussi d'autres certaines maladies, comme Shalom, où il faut supprimer les testicules. Shalom, si jamais il peut y avoir de la grave maladie là-dedans. S'il faut supprimer une, supprimer deux. Concrètement, de manière générale, on peut poser un axiome de net. Si toutefois, on a fait une opération que concrètement, on peut continuer à avoir des enfants, alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'interdit de Ptsua Daka, comme ça, ça ressort de Tosfot. On referme la parenthèse et on revient sur notre sujet. Maintenant, la Mishnah va nous donner, en termes de Mishnah, Ezehu Ptsua Daka. Qu'est-ce qu'on appelle le Ptsua Daka? Celui qui a été blessé, Daka, je ne sais pas comment ça se traduit littéralement. L'agma l'avait expliqué de manière en racheté haute. Mais Ptsua Daka, en tout cas, celui qui a eu les beitim, qui a été niftseu ou nidochu. D'accord? Les beitim, c'est-à-dire les testicules, qui ont été soit blessés. En fait, concrètement, la Mishnah, elle va me dire, kol sheniftseu a beitim shelo, tous qui a eu les testicules, les beitim, les œufs, c'est-à-dire les testicules, qui ont été niftseu. Ils ont eu un pétza. Elles ont été blessées. Soit ça peut inclure. Elles ont été broyées, ou elles ont été sectionnées, et même une seule, la gamme, elle dit, si on sectionne une et que l'autre, et qu'elle reste en train de pendouiller, à la différence du cas où on la retire complètement. Si on la retire complètement avec une testicule, on peut continuer, avec une seule testicule, on peut continuer à avoir des enfants. Mais si on a une qui est déconnectée, et l'autre qui fonctionne, on ne peut pas avoir des enfants. Donc ça s'appelle aussi Ptsua Daka, d'accord? La filo achat, mais même une seule, comme la Mishnah me le dit. Ukhrut shofa, même une seule qui a été, donc on a dit, sectionnée, et qu'elle est encore là. Là, on peut plus avoir d'enfant. Ukhrut shofra, celui qui a été, alors shofra on a dit, on a expliqué, c'est le membre, c'est le guide, qui a été nichrat, il a été coupé. Alors, kol shenichrat a guide, tout celui qui a eu le guide, le membre, le nerf, on appelle le nerf, parce que dans la mesure où c'est, et il a été nichrat, il a été coupé. Ve'im nishtayer maintenant, ve'im nishtayer mea atara afilu kechut asara kasher. Toutefois, il faut différencier le membre lui-même du gland. D'accord, la atara, ce qu'on appelle atara, ça semble une couronne. Alors la Mishnah me dit, si toutefois il va rester une partie de la atara et que ça a été coupé le bout, mais qui reste de la atara elle-même, de la couronne du gland, il reste même un tout petit peu de chair durant tout le pourtour, alors kasher, ça c'est encore bon. D'accord? Même s'il ne manque tout la pointe. C'est un peu bizarre de parler de ça, mais imaginez les chaleurs avec les fous qu'il y avait à la Shoah, ou comme ça, qui sont en train de faire des expériences chez les juifs. Après la Shoah, le monsieur, il veut savoir ce qu'il a le droit de continuer à vivre avec sa femme. Ça peut poser des problèmes. D'accord? Ptsua Daka Ukhrut Shofra. Un Ptsua Daka, donc, dans les deux cas. Il a été castré, ou parce qu'il a eu plus de testicules, ou il a été le membre coupé. Mutarin Begi Oret ou Meshuchreret. Il faut savoir qu'ils ont le droit de se marier avec une... On leur a pas interdit de se marier. On leur a interdit de se marier avec Kehal Hashem, avec les Bnei Israël, pur sang. Ils ont le droit de se marier avec tous les autres, avec une guillorette, avec une convertie.
Meshurret, une esclave. Même principe que les mamzer. Autant qu'un mamzer aussi, on va maintenant, c'est grâce à ça qu'on va avoir maintenant l'occasion de rentrer dans la prochaine Mishnah de toutes sortes de situations avec les Amoni, Moavi, Mamzer. On va en parler à cause de ça, c'était l'occasion de rentrer dans le sujet. Et la Torah, dans plusieurs situations, pour plusieurs faces à plusieurs personnes, la Torah nous dit Lo yavo bikal Hashem, Lo yavo mamzer bikal Hashem, Lo yavo tzuadaka bikal Hashem, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Interdit de venir au Kehal Hashem. Kehal Hashem, c'est avec des Bnei Israël. Au même titre, le Ptsuadaka, il n'a pas le droit de se marier avec un Ben Israël. Mais il a le droit de se marier avec une Guillorette. Parce que c'est plus appelé Kehal Hashem. Elle n'a plus le statut du pur sang du Ham Israël. Et d'accord, chez Neymar, Lo Yavo Ptsuadaka, Ukhrut Shofra, Bikhal Hashem, comme nous dit le verset. Un ne viendra pas, un Ptsuadaka, Ukhrut Shofra, celui qui a été castré, il ne pourra pas entrer dans le Kehal Hashem, ou rester dans le Kehal Hashem, se marier avec le Kehal Hashem, ce qu'on appelle le Kehal Hashem, les pur sang du Ham Israël. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, salam.